Inertial Drifto, disponible gratuitement dans son prologue sur Steam et dans sa version ultime qui sort cet été, hein, qui sort d'ailleurs complètement soon. Alors je sais plus la date exacte, ça fait partie de ces jeux qui n'ont pas vraiment de... Je sais plus de date exacte, on verra ça ensemble juste après. Bref, tout ça pour vous dire qu'il va y avoir du drift, qu'il va y avoir de la course des néons et des grosses bagnoles qui font vroom et qui font crrrr avec les pneus comme ça quand ça tourne. C'est pas rien, et vous allez voir en quoi ce jeu change, parce que oui, un jeu de bagnole c'est bien, des contrôles qui innovent un peu, c'est mieux. Let's go. Donc, après un petit tutoriel, ma foi, relativement à le son... Le son est beaucoup trop fort. Après un petit tutoriel, ma foi, fort bien succinct, j'aurais envie de dire, puisqu'il vous apprend vraiment que les touches du jeu, vous allez être lancé corps et âme dans deux circuits et avec deux voitures différentes qui ont la maniabilité très différente. Ce qui fait la force du jeu, vous allez vite le comprendre, c'est que c'est pas un jeu de bagnole classique. Donc voilà, les deux voitures qu'on a là, on va commencer avec la première. Le but du jeu étant très simple, c'est qu'avec le stick gauche, vous tournez et avec le stick droit, vous driftez. Et il y a là, bien sûr, le bouton pour accélérer et le bouton pour freiner. Voilà, au bas mot, il y a 4 touches dans le jeu. Tout simplement. Et donc, le tout va être de jauger. Attention, ça va se lancer. Comme vous pouvez le voir, le stick gauche tourne très très peu la voiture, si ce n'est quasiment pas du tout. Le but du jeu étant de jouer avec le stick droit et de prendre des virages absolument divins, le tout sur des routes absolument néon arcade et avec des voitures. Donc, la première qui drift très sec tout de suite. Et la deuxième qui va avoir un drift beaucoup plus lourd, beaucoup plus lent. Et d'ailleurs on le voit, mon fantôme de la deuxième voiture, et quand on arrive à le manier, beaucoup plus efficace dans les virages. Bref, c'est nerveux, ça va vite, c'est cool. Et bon, après la musique, bon j'ai mis la mienne, hein, parce que un petit coup de rebit, la musique du jeu est pas fofolle. Mais voilà, quand on arrive à prendre le jeu en main par contre, c'est divin. Donc finalement, quand on lâche l'accélérateur, on chasse du cul beaucoup plus fort. Dès qu'on accélère, plop, ça rattrape un peu avec cette voiture-là. Tout ça pour vous dire qu'il va falloir jouer de votre accélérateur et du stick droit. Le stick gauche étant, vous voyez, ne tourne quasiment pas. Étant surtout là pour, vous voyez, rattraper la trajectoire et corriger ça de manière très précise. Le jeu est ultra technique et bon, il n'est pas parfait. Mais je l'ai vu popper un petit peu comme ça dans mes suggestions, je me suis dit, oh tu sais quoi, le prologue il est gratuit, hein, quand c'est gratuit c'est pas cher, moi je prends, moi je teste. Et j'ai envie de vous dire, bah c'est plutôt pas mal, parce que là franchement pour arriver à ça j'ai dû m'entraîner un petit peu avant de vraiment prendre les contrôles en main, parce que cette voiture là elle est super easy à drifter, vous allez voir avec la deuxième c'est pas la même paire de manches. Ah encore ça va, là j'arrive à battre mon fantôme pas trop mal. Mais le deuxième circuit il est infâme, il y a des virages ultra serrés, ultra chauds à prendre. Hop, on chasse du cul un gros coup, hop, le petit coup de frein. Alors c'est marrant parce que sur cette voiture-là, le coup de frein l'a fait chasser du cul, alors que sur la deuxième voiture, c'est le coup de frein la remet droite sur la route. C'est beaucoup de salutorios de gameplay différents en fonction des bagnoles. Le jeu a été teasé pour avoir, je crois, une dizaine, voire plus de bagnoles. Plein de circuits en veux-tu en voilà, des médailles d'or à avoir qui défoncent tout. Et parce que pour faire du 56 secondes avec cette voiture-là, faut déjà être bien accroché. Et sachant que tant que tu passes pas la médaille d'or, tu passes pas au circuit d'après. Ça ressemble aussi beaucoup dans son concept à Horizon Chase que je vous avais déjà streamé et dont je n'ai toujours pas eu la DeLorean d'ailleurs, parce que les circuits sont beaucoup trop durs à gagner et il va falloir que je tryhard un petit peu. D'ailleurs la DeLorean qui arrive normalement dans une ou deux semaines dans The Crew 2, que je vais complètement farmer, que j'ai complètement loupé sur cette semaine qui vient de se terminer, puisque je n'ai pas eu les gros vans Volkswagen et les deux chevaux qui étaient complètement emblématiques, puisque c'était la coupe Beach Time pour aller à la plage et j'ai complètement zappé. Donc bah tant pis pour moi, là en ce moment c'est la coupe néon, donc des batailles à coups de mototron. Mais voilà, en tout cas celui-là là, on va se re-renseigner sur la date de sortie, hein. C'est dans le store Steam, en fait il y a les deux jeux, il y a la démo gratuite et le vrai jeu, c'est vraiment deux trucs à part. Je vais aller regarder vite fait sur Steamu où qu'il est le jeu. Alors vous tapez Inertial Drift, totalement bien sûr référence à la série Initial D, Inertial Drifto. Si vous regardez sur l'écran, effectivement dès que vous tapez Inertial, vous avez les deux jeux dont le prologue est gratuit. Le jeu lui-même eh bien sort en été 2020, alors c'est flou, mais en même temps il va y avoir du multijoueur
coop, alors je veux dire non, du multijoueur plutôt compétitif, hein, local et en ligne, plusieurs bagnoles, du twin stick drift. Alors vous voyez, comme est écrit là, voilà, ça illustre très bien ce que j'étais en train de vous expliquer. Avec le stick droit, vous driftez, avec le stick gauche, vous corrigez votre trajectoire. Et il faut vraiment... là vous voyez, il prend les virages vraiment crado, hein, pour vous montrer le truc. Mais c'est foufou parce qu'il y a l'air d'avoir des bagnoles tellement stylées. Elles ont vraiment un comportement ultra différent les unes des autres. En tout cas, les deux bagnoles que t'as là, c'est pas du tout la même conduite. Ça, c'est vraiment la première bagnole du jeu, la bleu-vert comme ça là. Elle a un drift ultra vénère et quand tu accélères dans les virages, elle se remet droit. Alors que l'autre, c'est l'inverse. Quand t'accélères, elle chasse du cul. Et quand tu freines, elle se remet droite. Les virages sont ultra putes à prendre. On regrette un petit peu pour l'instant de ne pas avoir de minimap dans le jeu. Mais il semblerait qu'il y ait même du cross-split screen, hein, vous savez, ces fameux jeux sur, où tu joues à deux sur un même écran, qui n'existent plus maintenant, hein, parce que de toute façon tout le monde joue en ligne, évidemment, des vrais amis t'en as plus, c'est fini, maintenant faut jouer en ligne, évidemment. Donc voilà, Coming Spring 2020, alors, ah, ça devait être un vieux trailer, hein, parce que le Spring 2020 il est un peu passé, donc j'ai envie de vous dire, c'est plutôt Summer 2020, il n'y a pas vraiment de date précise pour le coup. Mais on planche pour peut-être un fin août, quelque chose comme ça. Mais voilà, donc on aura au total 16 véhicules avec une conduite hyper personnalisée, enfin très différente les uns des autres, plus de 20 circuits et de défis, un style rétro néon futur parce qu'en ce moment la mode c'est le cyberpunk. Et toutes ces petites choses là, il tourne sur un grippin, il pèse 2 Go, le jeu il est goldé. Moi je vous dis, il est goldé. Donc je vais vous montrer avec la deuxième voiture, les virages c'est pas du tout les mêmes. Et le deuxième circuit, je crois que j'ai même pas réussi à le run gold. Donc là, le jeu commence en te lançant à pleine balle. Au début, quand tu commences, t'es à l'arrêt sur la ligne de départ. Hein, mais salut Simu. Et du coup, là, vous êtes lancé à pleine balle. Dès que vous commencez à refaire les circuits, vous êtes lancé à pleine balle. Donc là, elle, en fait, elle est très très lourde. Et elle chasse du cul tellement violemment quand tu lâches l'accélérateur. Comme ça, paf, tu réaccélères dans les virages. Elle chasse du cul, tu freines, ça te remet droit. Par contre, tu prends des virages tellement plus rapides avec celle-ci. Dès que tu maîtrises la conduite d'une bagnole, ça fait complètement la différence. C'est complètement dingue. C'est absolument génial. Et je vais même remettre peut-être un petit peu de son du jeu parce qu'on a du mal à entendre les clii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 i
Et niveau décor, ça a l'air de pas mal se renouveler, quand bien même on est dans cette esthétique très néon hein, de tout ça. Donc voilà, le circuit commence comme ça, c'est gentil. Et par contre, tout de suite, premier virage à gauche qui te met, c'est une épingle à plus de 45 degrés, ça veut absolument rien dire. Voilà, tu te fourres dans le sable, tu comprends absolument rien à ce qui t'arrive à ta vie. Et là, il te commence direct en te disant « Ah, regarde, on va s'amuser 5 minutes, bim, double épingle !» Donc ça va que cette voiture-là, elle drift quasi instantanément. Parce que là, après... C'est chaud. C'est chaud, c'est très très chaud. Donc je vous invite vraiment à le télécharger, c'est gratuit, faites-vous la main dessus, entraînez-vous un petit peu. Ça demande une petite prise en main, mais une fois que c'est fait, à mon avis, le jeu, il va valoir ses cacahuètes. Allez, hein. Voilà, et puis à chaque fois, je me fais avoir là. Donc là, c'est la voiture qui tourne toute seule, donc ça va. Mais alors avec l'autre, c'est pas la même cam. Hein. Mais du coup, tu peux pas te faire de tête à queue, tu peux pas te renverser, c'est pas les... Mais si on compare à des jeux comme The Crew 2, par exemple, si on devait prendre les épreuves de drift dans The Crew 2, ça a absolument rien à voir. Là, c'est The Crew 2, c'est vraiment, tu fais une erreur, t'es dans le décor, tu pars en tête à queue. C'est vraiment du drift lent, en fait. Là, c'est du drift arcade, où t'as vraiment envie de te foutre de l'eurobeat à fond, de foncer sur les routes et de tout fumer en prenant les virages au poil de cul. C'est tellement le bonheur, ce jeu, quand tu vas à fond. Voilà, allez, celui-là, il est beau. Ah, ça va, je commence à maîtriser avec la première voiture. Enfin, je dis ça, je me prends les murs quand même, hein, mais... Voilà. Ça, je m'auto-fous un avion. C'est parfait. Ok, premier tour, je fais 1,44. Pas dégueu. Ah, j'ai presque réussi à... Comment je fais pour prendre ce virage-là comme ça l'autre fois? Nickel, je m'auto-passe devant. Ça doit être tellement dur en même temps de passer un joueur physique. Parce qu'à mon avis, tu lui bumps dedans. Hein. Tu sais, quand le jeu il sera sorti, qu'on jouera en multi, tu te bumps les uns dans les autres. Hein. Alors passer un virage en bumpant dans un mec, va falloir faire comme dans Initial D. Hein. Choper les virages à la corde et essayer de passer. Nickel. Mais c'est parce que le jeu il va tellement vite que t'as envie de prendre tous tes virages à fond. Et donc dans les virages en épingle où il faut les prendre à 2 à l'heure, bah le jeu il te dit freine. Sauf que toi t'as pas envie. T'as pas envie de freiner. Merci pour le follow Théosq. Alors celle-là elle perd un peu de vitesse quand tu driftes vraiment beaucoup. La deuxième bagnole elle perd pas de vitesse quand tu driftes. Ce qui est ultra traître, mais par contre quand tu prends tes virages, en fait t'es full drift avec la deuxième bagnole finalement quasiment tout le temps. Mais il est fou ce jeu, il est fou, fallait pas me mettre ça dans les mains, je vais tryhard. Hein. Je vais complètement tryhard. Ah voilà, tu vois, tu freines un peu, enfin tu lâches surtout l'accélérateur, c'est ça qui te fait chasser du cul, c'est lâcher l'accélérateur. Aïe. Voilà, et bim, je me mets un chrono, je pense que j'arrive à un chrono à quoi, 1,41, 1,43, 1,44, je fais un tout petit peu mieux que tout à l'heure. Allez, il y a moyen que je prenne beaucoup mieux mes virages. Allez, le premier, il est traître. Nickel. Nickel. Voilà, putain, quand tu commences à avoir la main, c'est jouissif. Voilà. C'est ça qu'on veut. Le fantôme qui t'affronte, c'est pas exactement le fantôme du tour d'avant, c'est le fantôme de ta session précédente. Donc là, une fois que j'aurai fini le circuit, mon fantôme va s'actualiser et je pourrai réaffronter mon meilleur fantôme. Et je fais de la merde parce que je me crois dans l'autre bagnole et sur celle-là, pour chasser du cul, il faut freiner, c'est l'inverse. Allez, ça le fait, je suis encore devant. Ça le fait. Désolé si je lis pas tout de suite, hein, je vous lis juste après le circuit. Nickel! Comment j'ai gagné du temps de ouf! Parce que dès que tu prends la terre, ta voiture elle tombe à zéro. Allez là, le moteur il va à 10 à l'heure, dès que tu fais du hors-piste, ça pardonne que dalle. Ça passe. Là, celui-là, il est traître.
Nickel, celui-là c'est petite épingle. Ah merde, chaque fois que je me fais avoir, il y en a 4 à la suite. C'est pas grave. Attends, mon fantôme, je lui ai mis un avion, on le voit même plus. Ah, je refais encore 1,40 à quelques. Platinum, ça va, et j'arrive à faire platinum quand même. Salut Théose. Bah on va dire Théo tout court alors. On sait jamais, des fois on me dit ah bah s'il faut dire toutes les lettres, et des fois on me dit ah bah non faut pas. On sait jamais. Salut Crypto. Ah le jeu il est bien, enfin la démo, hein. Encore une fois le jeu est pas sorti, la démo est très 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 stylée. Hein. Et bah du coup on dira Théo tout court. Alors là du coup avec la deuxième bagnole ça va pas être la même cam, hein, parce que celle-là elle a une vitesse de pointe qui est énorme, et elle est tellement lente dans ses drifts que t'as intérêt à... contre-braquer tout de suite. Ouais non c'est n'importe quoi, elle est tellement dure à manier celle-là au début. C'est vrai, je me prends encore les murs. Hein. Ok, ça passe. Faut pas oublier qu'à la fin on a 4 virages en épingle. Tu vois celle-là tu peux rester comme ça, elle est à fond. Hein. Et mur, boum, allez, à chaque fois je me le prends celui-là. Ah ça va, je suis encore devant moi-même. Si je fais en dessous d'une 44, déjà on est bien. Nickel. Ah, j'ai perdu de la vitesse. Trop de vitesse. Ah, j'ai quasiment perdu toute ma vitesse là. Je vais me faire rattraper par mon fantôme, ça veut rien dire. Donc finalement, en fait, faut toujours tourner avec le stick droit. Le stick gauche, il est vraiment là que pour te corriger. Vraiment dans les micro millimètres de drift. Ah non, là, je fais de la merde. En fait, soit tu décélères, tu lâches l'accélérateur et ta voiture part à chasse. Soit tu réaccélères un coup, elle chasse un grand coup du cul et tu peux essayer de te rattraper. Mais dans les deux cas, c'est très compliqué. Ouais, tu vois comment je dois aborder mes virages là. C'est compliqué d'eau. Le fantôme est toujours derrière, c'est ça qui est bon. Ah, ce virage-là, il va être traître. Ah, je l'aurai un jour, hein, je l'aurai. C'est qu'à mon avis, je me laisse pas partir assez tôt. Faut hyper anticiper ces virages, c'est un truc de malade. Ah, il est bien passé celui-là. J'ai raclé sur le nez, ça m'a ralenti. Bon, ça va, j'ai touché du cul, mais ça passe. C'est là où il y a une épingle après, je crois. Tu vois, il n'y a pas de minimap et du coup, tu te souviens jamais de là où il y a les gros virages. Nickel, j'ai pas touché, quasiment pas touché. Il est propre celui-là. Il était un peu lent, mais il était propre. Ah, il faut essayer de pas tomber dans la terre. Ça se tient, ça se tient, ça se tient, ça se tient. Après, les jauges qui sont en dessous, j'avoue, j'ai pas très très bien compris ce qu'elle représentait. Il y a une jauge d'inertie et une jauge de... sûrement de puissance de virage, en fait, un truc comme ça. Alors j'avoue, j'y tiens pas trop compte, hein, j'y vais au feeling. Hein. J'ai fait de la merde. Oh, ce petit chassé du cul, il était propre. Pas bon, ouais, pas bon. Oh là, ouais, non, je dois trop ralentir là. Ça va pas du tout. Ah, ça va, je suis encore bien, bien devant le fantôme là. Une 40. La gold, elle est à 1,44. Hein. Ah là là, celui-là, j'y arrive pas. Hein. Nickel. Il était peut-être un peu trop braqué, mais nickel. Ah, celui-là était un peu loupé. Salut Isfred. Salut, salut. Salut à ceux qui sont en fufu aussi, ne les oublions pas. Et alors ouais, non, celui-là j'y arrive pas. Hein. Celui-là j'ai encore pas compris comment fallait contre-braquer pour chasser du cul de l'autre côté tout de suite. C'est genre tu freines, tu te redresses, puis tout de suite après tu tournes en driftant en même temps avec tes deux sticks. Et en même temps t'accélères pour rechasser du cul de l'autre côté. Les inputs ils sont tellement violents à faire
que c'est pas du tout The Crew 2, hein. Là, tu, en fait, là, avec celle-là, faut genre micro lâcher l'accélérateur, le cul, il part en cavette. Et soit tu lâches l'accélérateur, tu maintiens ta trajectoire, soit tu raccélères d'un coup et le cul, il part en total sur le côté. Un peu comme ça, voilà. Ah, voilà, ça, slalomé en drift. Ça, je l'ai pas encore, celle-là. C'est un coup de main à prendre. En fait, je m'y prends trop tard à chaque fois. Je commence à tourner trop tard. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Franchement, ça le fait. Ah, je vais être à quoi? Je vais être à une 42. Une 40? Une 40? Putain, j'ai fait une 40. Inertial Drift. Le jeu. Inertial Drift. Non, je voulais pas restart, je voulais pas restart. Je voulais pas restart. Voilà. Le jeu Inertial Drift Sunset Prologue, qui est donc le... La démo du jeu, encore une fois, hein, vous tapez Inertial Drift sur Steam, vous avez le prologue free to play et le jeu qui sort cet été normalement, qui a été repoussé semblerait-il, qui est donc un jeu de Drifto Twin Stick. Je remets le concept pour ceux qui seraient curieux de voir de quoi ça s'agit. Comme on dit dans le domaine, vous avez votre manette, vous avez deux sticks, un pour drifter, un pour tourner, une gâchette pour accélérer, une gâchette pour freiner, démerdez-vous! Oui. On me dit que je devrais faire de la radio, Théo. On me le dit. Voilà, hop, tu tournes avec ton stick gauche, mais tu driftes surtout avec ton stick droit, c'est ça le plus important. Ton stick gauche, finalement, il sert quasiment entre guillemets à rien. C'est marrant parce que là, on voit sur la piste qu'ils ont mis des cônes. Et les cônes, nous, dans la démo, ils n'existent pas. Ça doit être pour l'entraînement ou ça doit être des défis. Parce qu'il n'y a pas que des courses, hein, semblerait-il, il y a vraiment des défis. Et on va pouvoir jouer en multijoueur, en ligne, local et tout, machin. Non, non, je me respecte, j'irai pas sur. Si je devais faire de la radio, je me respecte un minimum et j'irai pas sur énergie, non. J'irai sur des radios comme Nova ou des radios comme je sais pas, FIP, des trucs comme ça quoi. Des bonnes radios quoi. Pas des trucs de Jones à la con avec de la musique super chiante et qui passe tout le temps et qui est complètement relou. Des trucs avec de la vraie musique. Bref, tout ça pour vous dire que le jeu il est foufou. Chopez-le sur Steam, faites-vous la main dessus. Simplement. Je pense qu'il y a moyen que quand ils sortent, si vous avez le jeu... Ah ouais, ça se passe bien. C'est un jeu P-Cube Games, level 91, les devs, les éditeurs, je ne sais plus. P-Cube Games, la franchise P-Cube Games sur Steam, c'est Inertial Drift, c'est alors Our World is Ended, je ne connais pas du tout, Stay, je ne connais pas du tout. C'est aussi Cat Quest que j'ai sur Switch, c'est Nippon Marathon, ce que vous avez peut-être vu aussi sur Steam. C'est tout ça à la fois P-Cube Games, c'est tous ces jeux-là. Donc vous les avez peut-être connus à travers d'autres jeux, ces éditeurs, ces développeurs-là. Aigelos aussi, c'est un petit jeu 2D platformer. Galgun, c'est tout ça, ça. Wishlist Now, ils disent qu'il y a la bêta, mais pour l'instant, il n'y a que la démo. Hein. Mais ouais. Très bon. Très bon. Voilà en tout cas pour Inertial Drift, c'était vraiment, c'est la démo, hein, c'était relativement court. C'était pour vous montrer ce qu'était le jeu. Je mettrai la vidéo sur YouTube, bien sûr, des bisous YouTube. À toutes.